Allez, toi, ramasse tes trucs et dégage! Princesse, réveille-toi, tu dois aller te coucher dans ta chambre. Princesse, réveille-toi. Papa, je ne veux pas aller dans ma chambre. Il a fait tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Vraiment désolée, ma puce. Oh, ok, vraiment désolée. Tu m'as dit que tu n'allais pas mettre long, maman. Vraiment désolée, il y avait trop d'embouteillages sur la route. Et j'ai aussi dû attendre un ami. Oui, tu accuses toujours les embouteillages, même tard dans la nuit. Oh. Vraiment désolée, ok? Je vais me rattraper. Fred, est-ce que tu vas me dire ce qui s'est passé hier nuit? Fred! Papa, hier c'était mon anniversaire et j'ai invité quelques amis. J'imagine que vous étiez tellement occupé que vous l'avez oublié. Est-ce que c'est pour cela que tu n'as pas nettoyé après toi? Et vous étiez en train de boire de l'alcool, tout ça, devant ta petite sœur? Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Maman, puis-je terminer mon petit déjeuner dans ma chambre? Tu n'as pas intérêt à... Va terminer ton déjeuner dans ta chambre, ok? Maintenant, écoute. Ce que tu veux... Écoute. Tu devrais être compréhensif. C'est toi qui oses dire ça. Vraiment? Non. Ceci n'est pas fait pour manger. Ok? Viens là, je te tiens. Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que... Où est le deuxième? Hein? C'est ça. Je ne sais pas à qui ceci appartient, madame. À qui appartient ceci, si ce n'est pour toi? Hein? Vous êtes là. Vous avez attrapé celui-là. Oui. Allons au poste.
Je me demande bien comment tu as pu travailler avec ma mère. Un peu de respect, jeune homme. C'est le moindre que tu puisses faire. Ne t'en va pas pleurer devant ma mère, Lady Jay. Ça ne me plaît pas de te rencontrer. Juste pour le respect que j'avais envers ta mère. Mais maintenant, je ne veux plus rien avoir avec votre famille. Bien. D'accord. Dépêchons-nous alors. J'ai besoin des noms et des contacts avec lesquels ma mère a travaillé avant son décès. Crois-moi, jeune homme. Cette liste est assez longue. Elle était la tête pensante derrière les affaires de ton père. Elle l'a élevé. Mais il l'a sacrifié comme une pauvre poule. Lady Jay, faites attention. Cet homme dont vous parlez avec tant de rebut est encore mon père. Alors surveillez vos mots. Cet homme est un lâche. Qui sait combien de temps il pourra survivre sans elle. Ça se passe déjà. Mais vous êtes trop aveugle pour le voir. De quoi parlez-vous? Tu le sauras très bientôt. Et pour la liste, tu l'auras selon mes propres règles. Mais qu'en est-il des règles? Reste dans la voiture. J'ai pas confiance à ce quartier. Mais reste dans cette putain de voiture. Ok, boss. Tu calmes, détends-toi. Ah, tu es trop nerveux. Je ne vais pas me calmer, ce gars. Voilà. Le grand Eddie, mais pourquoi as-tu l'air si nerveux? Je viens de perdre 150 000 naira juste parce que t'as laissé quelqu'un faire ton putain de travail. Patron, ce n'est pas de notre faute. C'est parce que ce travail était trop dur pour lui. Mais sinon, je vous assure, ce mec est très fiable. C'est un garde de la rue. Nous ne savons pas ce qui s'est passé cette fois. Écoutez, je vous ai pas laissé contrôler mes affaires dans la rue pour me donner des excuses après. Mes deux chauffeurs de pick-up se sont fait arrêter. Ah ben allez, boss, ils ont été relâchés. Me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Pour ton bien, tu ferais mieux d'avoir raison. Ils vous ont remis la drogue? J'ai l'oublié. Putain, Flo, qu'est-ce que tu fous là? Qui est dans la voiture? Quelqu'un surveille ma voiture. Pardon? Tu as laissé la voiture dans cette jungle? Pas
patron. Je t'ai dit que quelqu'un surveillait ma voiture. Où est mon argent? Lui en a fait un marché. Désolé, petit. Dégage. Hé, hey, au gars, où est mon argent? Je vais te viser la pierre. Tu as eu de la chance. Sinon, tu l'aurais regretté. C'est moi qui fais la loi ici. T'as eu ta chance. T'aurais confirmé. Si je t'attrape, je te ferai la peau. N'importe quoi. Nous allons travailler sur la soustraction, l'addition, la multiplication et la division. Alors, ici, c'est la multiplication. 7 fois 3. Quelle est la réponse? C'est 21. 21? 21. Oui, bien joué. Maintenant, écris la réponse. Je croyais que tu attendais un invité. Je m'en vais juste retrouver une amie. Je serai de retour bientôt. Et j'espère qu'il n'y aura pas de plainte à mon retour. J'espère qu'il n'y aura pas d'embouteillage cette fois. C'est impoli, Negi. Tu ne dois pas parler à ta mère de cette façon. Je suis désolée. Merci, Ada. Elle doit vraiment revoir ses manières. Désolée. Qu'est-ce que je te répète souvent, tout le temps? De ne pas être mal poli envers les gens, surtout mes aînés. Bien, alors, nous allons continuer. Nous étions où? Ici, c'est 7-3. Quelle est la réponse? 4. Très bien, écris ici. Sage fille. Ok. Il faudrait que je rencontre la personne dont tu parles. D'accord? Non, mais je dois... Oh, il faut que je sache... Je viens d'appeler Monsieur Simon. Il m'a dit qu'on lui a demandé de fermer le côté ouest des affaires. Je te rappelle. Ouais, je vais te rappeler. AJ, il faut que tu comprennes qu'il y a une ligne rouge. Que veux-tu dire par ligne rouge? Ceci est la troisième fois que tes gars sont arrêtés et enfermés. T'es-tu déjà inquiété de savoir comment est-ce qu'ils ont été libérés les trois fois? Tu ne me dis rien d'important, je le sais très bien, et je travaille dessus. AJ. AJ! AJ! Écoute mec, il va falloir que tu laisses ce côté. C'est moi qui m'en occupe. C'est toi qui t'en occupe et voilà ce que ça a donné avec Monsieur Tams. Ne compte pas sur nous pour continuer de tout risquer, le business entier, à cause de ta négligence et de ta stupidité. Les femmes et les enfants peuvent faire des erreurs, mais les hommes non. Ça a toujours été ma partie préférée du film Le Parrain. Comme vous pouvez le voir, cela m'a pris 30 ans pour atteindre ce niveau. Donc tous les deux vous en profitez aujourd'hui. Et j'ai des cicatrices pour le prouver. Et ces cicatrices sont toutes ces images qui tourmentent ma mémoire. Ainsi que les flammes, tellement brûlantes. AJ, j'ai dit à ton frère de fermer le côté ouest. Je sais qui y fait les affaires et je sais aussi pourquoi il a perdu. Tu es sur le point de commettre les mêmes erreurs. Il est temps pour moi de reprendre les affaires en main. Un drame se prépare. Un drame se prépare. Donne-moi une bonne raison pour que je puisse épargner ta stupide et misérable vie. Je suis désolé, Chief. Plein de choses ont changé. Tellement de changements, Chief. Et est-ce que je devrais être le dernier à être au courant? Hein?
Écoute, Simon. Tu es un officier de police et tu collabores étroitement avec le commissaire de police. Tu as accès à des informations de haute importance. Avant même qu'elles ne soient révélées au public. Non mais quel genre de détective es-tu? Est-ce que je te paie autant d'argent pour que tu joues les stupides? Certains officiers merdent, alors le commissaire nous a interdit l'accès pour un moment. Mais il y a autre chose que vous devez savoir, Chief. Dis-moi. Ils ont prévu de rouvrir l'affaire. Et il y a des jeunes détectives. Tu dis qu'il y a un détective qui enquête sur moi. Oui, monsieur. Mais ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Sous ton contrôle, tout est de ta faute, mon cher ami. Je t'ai donné beaucoup d'argent. Ah. Appelle mon avocat, dépêche-toi. Amuse-toi. Santé. Tu sais ce que je t'ai toujours dit, Osaru? La vie est comme une partie d'échecs. Si tu fais un geste, tu mets ton roi en danger. Si tu restes sur place, tu mets ton roi en danger. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut faire un bon déplacement au bon moment. Regarde-moi. Comment oses-tu? Comment oses-tu, Fubera? Qu'est-ce que tout ça signifie, dame? Ne reste pas planté l'affaire comme si tu ne savais pas de quoi est-ce que je parle. Donc tu couchais avec ma femme durant tout ce temps. Ma femme, Fubera. Oh, celle-là. Eh bien, c'était une erreur. Et sincèrement, je m'excuse pour ça. Donc c'est comme ça que tu me remercies. 37 ans de notre amitié. Et tu as l'audace de coucher avec ma femme. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire, dame? Tu vas me tirer dessus, ou alors, nous allons en discuter. Il n'y a aucun moyen que tu sortes d'ici en vie. Regarde autour de toi. Fubera, c'est ta cupidité qui te portera préjudice. Traître. Papa. Écoute. Au moment approprié, j'aurais besoin d'une bonne explication de comment cet homme a réussi à s'introduire dans mon salon avec un flingue. Et ton explication a intérêt à être bonne, car je vais te rôtir de vivant. Fais-moi confiance. Thank you.
Tu sais, Tam, j'ai jamais eu aucun autre ami comme toi. Et tu sais, je n'ai jamais su que tu réussirais à me pardonner. Après ce qui s'est passé entre ta femme et moi. Je n'aurais pas pu appuyer sur la gâchette ce jour. Je suis sorti de la maison avec l'intention de le faire. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Je n'ai pas appuyé sur la gâchette. J'ai essayé, essayé et encore essayé d'appuyer dessus, mais mon doigt était figé. Bien. Tu sais quoi maintenant? Je n'aurais pas fait de même. Tu veux dire que tu aurais appuyé sur la gâchette si tu avais été à ma place? Ah. Tu vois, c'est ce qui fait la différence. Tu sais quoi, Tam? C'est ce qui fait la différence entre toi et moi. Qu'est-ce que tout ceci signifie? Il y a deux choses que je ne pardonne pas. Le business et ma famille. Tu vois, pour ces deux, je ne pardonne pas. Écoute, je... Surtout, ne t'approche pas. Fubera, écoute, tu sais que j'essayais de... Tu voulais te venger, c'est bien ça? Pas vrai? Fubera... Tu ne l'as pas fait une fois seulement. Tu couchais avec ma femme chaque vendredi soir. Fubera, ce n'était pas censé se passer ainsi. Je voulais que tu aies mal. Je voulais que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Et tu l'as fait. Tu m'as fait mal. Tu m'as vraiment blessé au plus profond de moi. Et ça, jamais. Je ne pardonnerai une telle trahison. Maintenant. Mon Dieu. Je savais bien que ce jour arriverait. C'est exactement ce que tu voulais, pas vrai? Eh bien, ce sera très facile pour toi, vu que tu l'avais vu venir. Ne fais pas ça, Fubera. Laisse ma famille en dehors de tout ça. Non. Non. Tu les as déjà mêlés à ça. Voilà ce que t'as fait. Alors, tue-moi. Et laisse ma famille en dehors de tout ceci. Non, tu es mon ami, Tam. Je ne peux même pas donner l'ordre quand on te tire dessus. Mais je vais... exterminer ta famille. Juste pour que tu le saches. Il n'y aura personne. Je dis bien personne pour les sauver. Fubera, t'es vraiment en train de commettre une grave erreur. Non, Tam. Je ne commets jamais d'erreur. Dès demain, tu feras son deuil. Et la vie continue. La vie continue, Tam. La vie continue. Papa? Je suis aux toilettes. Tu peux revenir tout à l'heure. Ok. Je n'ai pas entendu la porte se refermer. Je suis en train de sortir.
Je te l'ai dit, ce mec est vraiment louche. Je t'assure que je n'y comprenais rien du tout. En fait, il ne savait pas quoi te dire. Je t'assure, mais... D'accord. Écoute. Bon, t'inquiète pas, on ira ensemble. Tu as misé sur quelle équipe cette fois-ci? Allez, fais voir. Hé, hey, Ozaru, mon pote! Salut, mec. Quoi de neuf? Je vais très bien, ça roule, mec. Je te l'ai dit. Je t'ai bien parlé de ce pari. Est-ce que tu vois ça, hein? Oui, est-ce que tu vois? Ce jeu est... Oh, donne-le-moi, je vais le regarder. Shady, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu dire que des agents de police qui patrouillaient dans le quartier ont embarqué presque tout le monde. Pourquoi? C'est une histoire de fou. Car même les innocents ont été coupés. Mes frères, écoutez, la police veut sa part du gâteau. Ils arrêtent des personnes innocentes parce qu'ils refusent de payer leur dû. Écoutez, le système est pourri. Il y a trop de choses qui se passent. Désolé. Que veux-tu dire par « il y a plein de choses qui se passent » ? Écoute, tout ce qui se voit n'est qu'une facette de ce qui se passe réellement. Ces hommes ont placé des mecs dans la rue qui sont des espions. À l'instant où je vous parle, je suis sûr qu'ils ont des objectifs. Tu connais tout ça. Je connais ça parce que le taux de trafic de drogue, en fait, est alarmant. Je suis sûr qu'ils essayent de trouver qui est derrière tout ça. Écoutez, les gars, je dois aller regarder le prochain jeu. D'accord. On se prend plus tard. Ok, à plus tard. Mec, bon, à plus tard. Ouf, la vie. Shady. Qui est ce gars? Je n'en sais pas plus sur lui. Juste que c'est un gars intelligent. Ouais. Il est. Ouais. Il est. Alors, tu le connais? Papa! Hey, bonjour, ma petite princesse. Comment est-ce que tu vas? Ah. On dirait bien que tu n'arrêtes pas de prendre du poids tous les jours. Hein? Papa, ce n'est pas bien de le dire à une demoiselle. Je suis désolé, ok? Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que tu étais devenue une vraie demoiselle. Comment vas-tu? Je vais bien. Bien. Je peux voir que certaines personnes ont décidé de rentrer tôt aujourd'hui. Et quelqu'un ne cesse encore de se balader. Tu peux applaudir pour toi. Hein? Commencer une querelle en présence d'une petite fille. Et ça recommence. Faire exactement ce que tu sais faire le mieux. Accuser les autres, pourtant c'est toi qui as commencé. Salut. J'imagine que tu as gagné ton pari d'hier. Depuis combien de temps t'es placé là? Eh bien, si tu n'étais pas concentré dans ton jeu, tu aurais remarqué que je suis là depuis. Tu es une petite fille, tu sais. Tu as parié ton argent de pension, c'est ça? Ah, bien, c'est le cas. Alors dis-moi, qui t'a parlé de pari? Je connais plein de choses que tu n'imaginerais même pas. La seule chose que je ne connais pas, c'est mon âge. Car papa a changé mon âge au moins 3 fois. Bon, ok, d'accord, tu as compris. Viens t'asseoir. Ok, tu vois. Papa et maman m'ont eu quand ils étaient à Lagos. Mais à ce moment, l'ami de papa l'a amené à Portacor pour qu'il puisse l'aider dans ses affaires. Alors papa a dû déménager, mais maman a refusé de venir avec lui. J'imagine que ça ne date pas d'aujourd'hui. Bien, tu devrais m'écouter sans m'interrompre si tu veux connaître toute l'histoire. Désolée. Ok. Alors, maman partait rendre visite à papa à Portacor. Mais papa ne nous rendait jamais visite. Mais il envoyait toujours de l'argent.
Mais il fut un temps, maman est allée me laisser chez grand-mère. Ensuite, elle est partie à Portaco. Elle a passé environ 2 mois. Et quand elle est revenue, elle était enceinte. De moi, j'imagine. Bien sûr, toi. À cet effet, maman a dû donc aller rester à Portaco avec papa. Mais malheureusement, je n'ai pas pu partir avec elle, parce que j'étais étudiant à l'université de Lagos. C'était le lien entre les deux, j'imagine. Ouais, petite sœur, t'as tout compris. Alors maintenant, c'est ton tour de me dire quelque chose dont j'ignore totalement. Peut-être que tu devrais plus observer. Bonsoir, Fred. Ah, tu m'as fait peur, Ada. Désolée, ce n'était pas mon intention, Oenengi. Ah, cette petite fille rusée, elle vient juste d'entrer. Grâce à toi, elle devient de plus en plus intelligente. Wow, ça veut dire que je suis en danger. Ah, bien essayé. Pardon, allons à l'intérieur. Écoute-moi. Non, mais ferme-la un peu et écoute-moi. Il y a un souci avec la marchandise. Et je veux absolument que tu t'en occupes jusqu'au bout. Oui, toi, occupe-toi de ton secteur. D'accord? Et assure-toi que tout va bien. Bien, bien. Ahmed? Allez, appelle l'avocat. Et je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas chez vous ce matin. Vous m'énervez tous! Je veux que vous surveillez ce secteur, sinon les choses risquent de déraper. Baba Edgy, ce travail ne sera pas facile. C'est plus difficile que tu le penses. C'est bon, tu la boucles maintenant, ou tu voudrais que j'appelle d'autres gars. Du calme, ce n'est pas ce que je voulais dire. On va gérer ça. Écoute, si tu ne peux pas le faire, je le ferai pour toi. Mais oui, ce n'est rien, vous ne me faites juste pas confiance. Qu'est-ce que c'est? Patron! Pourquoi est-ce que tu poses des questions sur ces gars? Ces mecs n'ont aucune pitié. Ce sont juste de pauvres mecs qui cherchent de l'argent. Je voulais dire que ton père est intouchable. Et tu vas où comme ça? Je retourne à la voiture, vu que vous n'avez pas besoin de moi. Flo est vraiment têtu. Fred, têtu.
Tu sais, il n'y a rien de plus bon qu'un beau cigare. Je le sais, pas. Je le sais. Quand était la dernière fois que tu as vu M. Tam? C'était il y a 2 semaines. Non. 2 semaines. Non. Ce n'est pas bon. Écoute, quand j'ai dit que tu devais garder un œil sur lui, je voulais dire que tu devrais surveiller ses faits et gestes. Et ce, chaque jour. Mais pas. Cet homme est un junkie. Une raison de plus pour le craindre. Tu vois, mon intuition me dit qu'il a quelque chose à voir avec l'orage actuel qui souffle. C'est pour cela que tu dois le surveiller. Mais pourquoi veux-tu qu'elle soit là? Parce qu'elle peut le faire. Parce qu'elle connaît comment s'occuper de ce genre de choses. Elle s'occupera de son cas. Et plein d'autres encore. Alors, pourquoi ne l'as-tu pas réduit au silence? Il mérite mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, Monsieur Tam et moi, bonsoir, Monsieur Faubera. Chef Faubera. Avez-vous bien assimilé toutes vos leçons avant de venir insulter mon père chez lui? Je suis désolée, Chief Faubera. Vos excuses ne sont pas acceptées. Asseyez-vous, de toute façon. Dites-moi, j'imagine que vous avez quelques questions à me poser. Oui. Eh bien, j'espérais que vous puissiez me donner plus d'informations sur ce document. Est-ce que vous êtes venu jusqu'ici pour me faire lire votre document ou alors vous êtes venu ici pour me poser des questions spécifiques? Peu importe. Pendant 12 ans, votre nom figurait dans tous les cas de drogue. Est-ce que ça veut dire que... Et pendant ces 12 dernières années, vos forces de police et vos ont toujours conspiré contre moi et n'ont jamais apporté aucune preuve contre moi. 12 ans. Aucune preuve. Alors maintenant, je pense que c'est une forme d'idiotie et de... De la stupidité. Stupidité. Ou alors, pendant ces 12 ans, ce système corrompu vous a laissé vous échapper. Ou encore peut-être... Ils n'ont simplement jamais été capables de produire une quelconque preuve contre un citoyen honnête et travailleur comme moi. Papa, tu devrais voir comment Osama... Mais... Bien. Je vais vous laisser ces copies. Écoutez, le prince de ce monde est venu et n'a absolument rien trouvé contre les hommes honnêtes. Je reviendrai. As-tu seulement la moindre idée de ce que tu viens de faire? Le sais-tu? Sais-tu qui elle est? C'était l'inspectrice, c'était l'inspectrice! Et tu as quand même réussi à te débrouiller pour prononcer le nom du but dangereux du l'air de drôle de la rue! Et comment je devais savoir qu'une inspectrice est à la... Arrête de te justifier, Eddie! Papa t'a dit qu'il attendait la visite de l'inspectrice! Mais tu as une mémoire de moineau.
Écoute, regarde ta main. Regarde ça! N'oublie pas que c'est à cause de ta stupidité! Ça suffit maintenant, mec! J'ai merdé, c'est vrai, et je suis désolé. Et en plus, je suis pas la seule personne à faire des erreurs. Tu es désolé. Et j'étais désolé! Écoute, jeune homme. Croise les doigts pour que tout ça s'arrange, parce que tes putains d'excuses n'arrangeront rien du tout! Eddie! Le patron a enfin accepté d'augmenter mon salaire. Ai-je dit quelque chose de mauvais? Les mains en l'air! Doucement, mec, doucement. Où sont-ils? Sortez de vos cachettes! Nous allons tous mourir! J'ai dit mourir avec qui? Avec ce serpent? Cet imbécile nous a trahis! Écoutez, je ne suis pas là pour la guerre. Je suis venu parler à Osama. D'accord? Tu veux me raisonner? Tu veux me raisonner, n'est-ce pas? Et qui est-ce qui me cherche? Osama. Et je peux savoir ce que tu veux? Je suis venu pour qu'on puisse parler de la rue. Nous devons plutôt parler de la façon dont ton père veut s'accaparer de tout ce qu'il y a dans la rue. Tu m'entends? Mais tu es conscient qu'il a monté toute cette affaire tout seul, n'est-ce pas? Ozaro. Je sais que tu es allé à l'école, mais tu ne réfléchis pas comme quelqu'un qui est allé à l'école. Tu penses qu'un homme est une île? Ton paternel aurait dû le savoir. Maintenant, écoute, Osama. Je ne suis pas ici pour que tu me parles de mon père. Écoute. Maintenant, écoute. Je vais te dire quelque chose. Peu importe ce que ton père veut amener sur cette table, mon frère, je ne veux pas écouter ça. Car si tu entends mes histoires, tu n'y croiras pas. Je ne finirai pas comme Tam. Est-ce que tu m'entends? Tu devrais au moins l'écouter. Allez, la ferme! Et considérer ce qu'il veut te dire. Et putain, je t'ai demandé de la fermer! Écoute-moi, Ozaro. Je préfère mille fois dîner avec le diable que d'écouter ce que ton putain de père aura me dire. Chai, très bien envoyé. Mauvais choix, bro. Mauvais choix. Wesh. Dis à ton paternel que moi, Osama, que je ne veux plus entendre parler de lui. Est-ce que tu m'entends? Un instant. Et dis à ton petit frère que si je vois encore son pied traîner sur mon territoire, je vais aller lui broyer ses deux pieds. C'est moi. Osama, qui te le dit? Je t'assure que je n'aurai aucune pitié.
partie de tous ces fils de pute que Ivy est de retour. Elle est de retour en ville. Dis-moi que je t'ai manqué. Ok, c'est pour ça que tu ne veux pas me faire un câlin, n'est-ce pas? Tu me manquais. La putain de reine de retour. La putain de reine. La putain de reine. C'est le L, le B, le B, le L, le R, le S, le G et le S. C'est bon de te revoir, Sorette. Ne t'en fais pas. Ta grande sœur est de retour. Ivy, Ivy. Tu m'as manqué. Oh mon Dieu, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Regarde. Tu as l'air ravissante. Merci. Maintenant, pouvez-vous m'amener chez mon père? La reine est de retour en ville. Non mais tu t'es vu. J'ai discuté avec papa avant de venir. Il m'a parlé d'AJ. Je ne m'inquiète pas seulement pour AJ. Que veux-tu dire? Ils viennent pour lui. Et cette fois-ci, les choses sont sérieuses. Cet homme a vu pire. Ils ne peuvent rien lui faire. Tu ne comprends pas, Ivy. Ce n'est pas juste la rue qui en a après lui. Cette fois-ci, c'est la rue et le gouvernement qui en ont après lui pour le réduire au silence pour toujours. Pourquoi est-ce qu'on ne les réduit pas en premier? Nous n'avons que des pions, Ivy. Si nous les réduisons au silence, cela se retournera contre nous. Donc, ils veulent les preuves pour le faire tomber. Sommes-nous les pions? C'est exactement ça. C'est pour ça que... Je lui ai demandé de t'appeler. Sale petit con. Ouais, je sais. Je sais, mais regarde. AJ se relâche trop. Et tu es bien la seule qui l'écoute. Alors j'ai besoin que tu gardes un œil sur lui. Tu peux le faire, n'est-ce pas? C'est la famille avant tout, n'est-ce pas? Tu l'as dit. Tu l'as dit. Ça pourrait être la dernière fois que je te donne ceci. Est-ce que tu l'as? Allez, prends cet argent. Ne refuse pas mon argent quand je te le donne. Ce n'est pas une faveur, c'est du business. Et tu ferais dès à présent mieux de le comprendre. Je ne considère pas cela comme des affaires, Tam. Je ne considère pas ça comme des affaires. Je t'ai dit que je te devais ceci. Tu devrais te remettre en question et reprendre tout ce pourquoi tu t'es battu. Je ne peux pas. Maintenant, j'ai des enfants et... Je ne voudrais pas que mes enfants soient mêlés à tout ça. Bien. C'est trop tard maintenant. T'es un junkie maintenant. Et tu ferais mieux de rester loin de ces enfants. Ils seront plus en sécurité en restant loin de toi. Crois-moi, prends soin de toi. Mais tu seras bientôt servi, non? Maman Chou, je suis là depuis. S'il te plaît, serre-moi comme d'habitude. Ah, je sais que tu es là. Patiente encore juste un peu. Hein? Il y a également du poulet. Il y a aussi du poulet, je te le conseille, ok? Je te le conseille, tu pourras aussi le manger. Écoutez, vous savez très bien que nous devons le faire. Les gars,
Si nous réussissons à faire ceci, ce serait vraiment un gros point pour nous. Oui, nous le pouvons. Juste, nous devons nous inquiéter de comment ça se passera. Mais nous le pouvons. Reno, nous avons du pain sur la planche. Restons juste attentifs aux bonnes informations. Mama Chao. Salut, ma chérie. Bonjour. Comment tu vas? Où est cette fille, ma puce? Bonjour, ma puce. Comment vas-tu? Tu es matinale ce matin. Tout va bien? Depuis que tu connais Rita, elle t'a déjà annoncé une bonne nouvelle. Tu n'arrives même pas à te nourrir et tu pars. S'il te plaît, ma puce, viens. Tu vois ta vie? Tu vois ta vie? Tout le monde sait que tu es un incapable. Mama Chao. Pardon. Ma puce, Ibé est de retour. Quand est-elle arrivée? Hier. Très bien. Alors, comment on va au Bina? Rose! Comment ça se passe? Rose, viens prendre ton argent. Écoute, nous n'aurons pas l'heure plus tard. J'arrive, me voici, j'arrive. Écoutez, les filles, je sais que vous voulez qu'on sorte se détendre et faire toutes ces choses, mais... Mais ça devra attendre. Je dois régler 2-3 trucs en ville avant de pouvoir faire autre chose. Alors, que veux-tu qu'on fasse? Tu es très proche de mon frère, Eddie, n'est-ce pas? Oui, et alors? Je veux que tu te rapproches encore plus. Tu sais que ça ne dépend pas de moi, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas pour mon frère. Et que dois-je faire? Garde les yeux bien ouverts, comme d'habitude. Tu sais que la rue n'est plus ce qu'elle était depuis que tu es partie. Alors mettons-nous à niveau. Vous arrivez toujours en retard à vos rendez-vous? On devait se rassurer que le terrain soit libre. Je connais ces mecs. Ils ne veulent que de l'argent. Dis à ton chien de peser ses mots sinon. Eddie, tu ferais mieux de m'écouter. Allez, allons-nous-en d'ici. Tu fermes ta gueule et tu me donnes cette enveloppe. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Tu veux qu'on récupère la marchandise d'Osama, qu'on le vende à un autre client, qu'on récupère le fric et qu'on vienne te le remettre, c'est ça? Ouais. Tu ferais mieux de m'écouter, car ces mecs te tueront quand ils comprendront de combien il s'agit. Tu fermes ta grande gueule! Si t'arrives pas, tu fous le camp! Bien. Vous faites votre travail. On verra ton travail. Et on verra où cela nous mènera. Très bien joué, type. Très bien joué. Madame, bonsoir. Je suis juste venue verser de l'eau pour pouvoir vendre. Ça ira. Je peux voir que vous cuisinez très bien. Merci beaucoup. Merci. Vous avez dû goûter à mon repas pour parler ainsi. Parce que quand je vous ai vu, je me suis dit que je vous ai déjà vu quelque part. Vous voyez un peu? Oui, oui, oui. Je vous en prie. Présentement, je suis là pour un moment. Je travaille sur une affaire. J'espère qu'on se verra plus souvent. Eh bien, ça dépend. De quoi est-ce que vous parlez, hein? Vous voulez changer de restaurant? Vous n'aimez pas ma cuisine? Hein? Dites-moi un peu. Venez. Regarde. Dans ce quartier, les gens parlent beaucoup. Non, on ne bavarde pas. Non, ne vous inquiétez pas. Je vous fais confiance. Alors, je vais vous donner
ceci. D'accord. Hmm? Ah, vous êtes de la police? Ah, que signifie tout ceci? Ça sera très difficile. Ça sera très difficile, oh, je vous assure. Je ne veux pas moi de problème, hein? Non, il n'y aura aucun problème. Allez, vous pouvez partir. D'accord. Rose, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, s'il te plaît. Allez, lave rapidement les assiettes. Où allons-nous? Mais parle. Tu as dit que tu connaissais cet endroit. Ok, c'est bon. Retournons donc. Oh. Demandons à ces gens. Essayons. Excusez-nous. Bonjour. S'il vous plaît, nous voudrions connaître la route qui mène au prochain carrefour. Ok, ok. Alors comme ça vous passez sans saluer. Et c'est quand vous vous perdez que vous réalisez qu'il y a des gens ici. Hein? Est-ce que nous sommes des agents de renseignement? Ou un poste de police, c'est ça? Non, ce n'est pas... Fermez-la! Hush! Venez par ici. Par ici. On ressemble à un poste de police, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez quoi? Vous allez devoir payer pour les frais de renseignement, c'est compris? Voilà. Mais nous n'avons pas... La ferme, ok? Ne parlons pas le français soutenu. Donc, tu veux parler? Qu'est-ce qui t'arrive? Ne nous énervez pas, oh! Allez, donne-moi ça, tu résistes! File-moi ça! Tu ne m'entends pas? Tu as perdu la tête? Allez, donne-moi ça rapidement. Vous avez vu ça? Hé! C'est un iPhone! Alors comme ça tu utilises donc, un iPhone, mais où l'as-tu pris? Un iPhone? Oui, c'est un fais iPhone. Fais voir. C'est un Matza. Oh, mec, tu vois ça? Le jackpot. Alors, c'est un iPhone. Allez, cassez-vous d'ici! Allez-vous-en! Vous êtes encore placé là! Tu vois ça? Qu'allons-nous faire? Non. Laissons-les. De bonnes choses. Ah, ah, tu vois ça? Calme-toi. C'est formidable. Je vais te marquer. Ah bon? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Petit piment, dont tu oses agresser ma frangine, c'est ça? First Lady, ne te fâche pas. C'est notre butin, tu sais comment ça se passe. Ouais. Hey, ferme vite ta sale gueule. Ferme-moi ta sale gueule, car si tu ne la boucles pas, hein, je deviendrai ton pire cauchemar, m'as-tu entendu? À l'instant où je vous parle, vous ferez mieux de remettre les effets de ma frangine. As-tu pigé? À l'instant où je parle, chacun devrait connaître, hein, les limites de son territoire. First Lady, écoute, je te respecte énormément. Mais laisse-moi te dire que là, maintenant, tu perds ton temps. Hein? Vous aviez entendu ça? Petit Piment me parle fort dans la rue. Hein? First Lady, pourquoi tu te déranges, non? Dis juste un mot. Vous n'aurez rien du tout. Ferme-la. Écoute, c'est le dernier avertissement. Je ferai exploser vos crânes. Hé! Hey, est-ce que vous pouvez me dire ce qui est en train de se passer ici? Arrangez-moi tous ces jouets avant que je ne vous fasse exploser la tête. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Donc, Zambisa est devenu ici? Écoutez-moi très bien, vous ferez mieux de reprendre vos putains d'esprits. Première dame, qu'est-ce qui se passe ici? Imagine ces sales gosses ont agressé ma frangine. Je peux voir que vous avez oublié qui est le chef ici. On dirait que vous avez perdu la tête. Je peux voir que vous n'avez plus... Que vous n'avez plus vos putains de sens. As-tu oublié qui fait la loi? Vous n'êtes que des putains de fils de pute qui sortent. Ils passent leur temps à Zambis à faire des putains de conneries. Vous êtes placés là comme des putains de sourds-muets. Si la prochaine fois vous n'utilisez pas vos putains de cervelles avant d'agir, je vous éclaterai tous la cervelle. Où est ce buteur? Mais qu'il a, allez, donne-le-moi. Et je te parle, tu fais comme une vieille pute. Allez, donne-le-moi ce sac. Et c'est ce buteur que vous avez pris? Ouais, c'est ça. Et c'est qui ça? C'est ta frangine? Ouais. Viens le prendre. À qui appartient ce téléphone? Vas-y, prends. Est-ce qu'il t'appartient? Vous ferez mieux dégager d'ici dans 2 secondes. Dégagez d'ici rapidement! Ouais, merci, merci. Foutez-le. Merci. Coup.
Oui, c'est ouvert. Maman, puis-je te poser une question? Oui, tant que ça ne prend pas du temps, vas-y. Pour le moment, ça va prendre un peu de temps. Oh, je t'en prie. Je n'ai pas le temps d'écouter tes plaintes à propos de tes professeurs, tes camarades et même ton frère. Vraiment, je n'ai pas le temps. Ok, je ne veux pas être en retard. C'est juste à propos de... Oh, s'il te plaît. Oh, nous aurons cette conversation une autre fois, ok? D'accord, je te le promets. Mon téléphone, s'il te plaît. Ok. Je te promets qu'on en reparlera à mon retour. D'accord. Bonsoir, beau gosse. D'accord. J'arrive tout de suite. D'accord. Quoi de neuf? Oh mec, je vais bien. Et toi? Bonsoir, mon frère. Quoi de neuf? Comment on se retrouve? Ouais, encore. Fred, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Tu sembles être un fan de football. Le football? Je suis un fan de football. Pourquoi est-ce que tu ne joues pas au football? Dans ce pays? Non, écoute. La plupart de nos joueurs s'en sortent à un âge avancé, ok? Ce qui fait qu'ils sont obligés de réduire leur âge pour être admis. Ensuite, ils partent en retraite après 5 ans. Alors, c'est pas très avantageux au Nigeria. Tu sais, tu me fais toujours découvrir de nouvelles choses. Vraiment? Ouais. Dis-moi, est-ce possible de se voir après ici? Juste pour discuter? Aujourd'hui? Peut-être pas aujourd'hui, mais je veux dire une autre fois. Disons demain, parce que j'ai promis à ma petite sœur de passer du temps avec elle. Faut pas être dans sa liste noire. Ok. Ok, pas de problème. Mm-hmm. Je t'appellerai. Ok, vas-y, prends mon contact. Alors, tu pourras m'appeler ou même envoyer un message. D'accord. Ça marche. D'accord. Ok, okay mec, on s'y dit à plus tard. Les mecs, on fait comme ça. Mais envoie-lui le ballon. Ah! Excellent.
Hey! Serette, comment tu vas? Écoute, je sais que t'es fâchée contre moi, mais j'ai fait de mon mieux pour rentrer tôt. C'est clair que nous avons une différence du moto. Nengi, je sais que t'es fâchée, ok? Bon, devine quoi? Allez, devine! Regarde! Je t'ai ramené quelque chose. Nengi, tiens-le. Puis-je te poser une question? D'accord, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un objet? Peu importe l'objet, peux-tu remplacer un être humain? Non. Pourquoi cette question? Parce que c'est ce que vous faites. Je déteste cette maison. Ah. Nengi, ok, ne t'en fais pas, je t'amènerai à Domino's Pizza. Oui, merci. J'apprécie vraiment ce que tu fais pour moi. D'accord, je serai là dans quelques minutes. Ok. Alors, fais voir. C'est... Non, ce n'était pas ici. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok, qu'est-ce que tu as écrit ici? Quoi? Je vais l'effacer. Efface ça, c'est faux. Ok. Ok. Attends un instant, d'accord? Allô, mon cœur. Bonsoir, Nengi. Bonjour, Madame Ada. Très bien, tu as déjà commencé. Je vais voir ce que tu as fait. D'accord. Très bien, donne-moi ça. Oh, Ada. Bonsoir, Madame Ada. Bienvenue. Alors, tu vas continuer où je me suis arrêtée, ok? D'accord. À plus tard. Alors, je serai de retour très bientôt. D'accord. Alors, nous allons continuer cet exercice. Sais-tu comment faire cet exercice? Est-ce que tu sais comment le faire? Oui, je peux le faire. D'accord, tu devras additionner ceci. Bonjour, grand frère. Hey, ma petite, comment tu vas? Je déteste quand tu m'appelles ainsi, mais je vais laisser. Désolée pour ce que je t'ai fait la nuit dernière. J'ai quelque chose pour toi. Oh, qu'avons-nous ici? Regarde ce que tu as entre les mains. Ok. C'est tellement beau. Waouh. Ne me demande pas où j'ai trouvé l'argent. Ok. Je ne vais pas te demander où tu as trouvé l'argent. Je vais plutôt te demander où tu as trouvé l'argent pour acheter ce bracelet. Où est la différence? Nengi, ce sont des mots différents. Comment et où? Pas dans ce cas. Si, bien sûr.
Non, pas du tout. Oui, ça l'est. Non, pas du tout. Oui, ça l'est. Ok. Oui, ça l'est. Ok, très bien. Tu as gagné. Puis-je avoir mon téléphone? Maintenant, va-t'en. Merci pour le cadeau. Ok. Fred, tu sais pourquoi maman et papa se chamaillent tout le temps? Ma petite, ils n'en parlent jamais. Est-ce parce que maman sort avec un autre homme? Et comment t'es au courant? Parce que maman n'a pas un seul ami, rien de chez rien. Mais elle sort et rentre tard à la maison. Papa est malade. Negi, pourquoi tu le dis? Parce que papa prend certains médicaments. Et je pense qu'il a besoin d'aide. Maintenant, dis-moi, que sais-tu d'autre? Tu t'es fait de nouveaux amis récemment et tu fréquentes des mauvaises personnes. Je pense que tu vas te faire des ennuis. Negi, mais comment tu connais tout ceci? Que pensez-vous que je fais quand vous me laissez seule dans une grande maison? Officier, qu'est-ce qui se passe? Très bientôt, il y aura des arrestations dans la rue. Et vous êtes les cibles qu'ils recherchent dans la rue. Quand exactement est-ce que ça arrivera? Si je le savais, je l'aurais dit. Écoutez, vous avez merdé. Et votre père n'a pas encore tout résolu. C'est pourquoi on vous paye pour gérer ça. N'est-ce pas? Oui, mais on a déjà plein de choses à faire. Et nous ne pouvons pas continuer à le faire si vous laissez toujours des traces derrière vous. Écoutez, ça aura lieu dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Et pas de deal. Jusqu'à nouvel ordre dans la rue. Ivy, il faudrait que tu t'en charges. C'est plutôt toi qui devrais tout nettoyer derrière toi. Quoi? Dis-moi, n'est-ce pas toi le grand frère qui ne faisait qu'à sa tête? Sais-tu qu'il y a une différence entre être stupide et brave, et actuellement tu es très stupide? Regarde-moi quand je te parle, AJ. Je dois conclure une affaire cette semaine, et je ne peux pas me permettre de manquer ça. Est-ce que tu t'entends? Peux-tu pour une seconde t'entendre parler, AJ? Nous sommes en train de parler de sauver la famille, mais toi tu te préoccupes de ta putain d'affaire? Combien est-ce que ça vaut? Est-ce que ça peut acheter le gouvernement? Écoute, tu peux pas comprendre, Serette. J'ai ce contrat à l'œil depuis... Depuis combien de temps? Dis-moi, est-ce que ça vaut les affaires de la famille? Maintenant, tu dois te ressaisir, petit frère. Sinon, tu ne me laisseras pas d'autre choix que de geler ton compte et te priver de sortie. Et je le pense vraiment. Je suis désolé. Je suis désolé, j'ai juste été égoïste. Ça va. Ça va, hein? Tout ira mieux.
Je voudrais que tu fasses la patrouille pour moi. J'ai la seule en qui je peux avoir confiance en dehors de ma famille. Et qu'est-ce que ça peut bien être? Garde un œil sur mes affaires. Je vais les surveiller de loin et tu les surveilleras de près. Ça fait beaucoup, tu sais. Avec ce qui se passe actuellement dans la rue. Mais tu peux le faire. T'as l'habitude de traîner avec ma sœur, pas vrai? Je le ferai. J'aime plutôt ça. Je te l'assure, mon cher ami, c'est la vérité. Évidemment. Tu sais que j'avais du mal à croire. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que ça signifie? Waouh, magnifique. Jolie demoiselle. Que fais-tu près de ma voiture? Jeune fille. Je sais que tu aurais voulu qu'on passe la nuit. Ouais. Mais il se pourrait que nous devons rentrer. Donc, okay. Une prochaine fois. Et je te promets de te mettre à l'aise. Tu es tellement magnifique. Tu es très wow. Bien. Le vautour pouvons... cherche toujours une chair sur laquelle il pourra se nourrir. Cette expression sur vos visages m'a beaucoup manqué. J'adore vous voir faire comme des poules mouillées. Je peux également voir que vous êtes devenus des prédateurs dans ma jungle. Vous distribuez de l'argent tous les week-ends. Madame, nous en avons parlé. Mais vous savez quoi? J'ai une toute petite tâche pour vous. Ouais, on t'écoute. Ouais. Connaissez-vous Fubara? Ce singe, cet idiot que vous appelez Bartobos. Qu'est-ce qu'il a fait? Les filles, donnez-leur la carte. Bienvenue, honorable Wilcox. C'est encore en cette période de l'année. Mais... Je me demande juste pourquoi... ils t'ont envoyé discuter avec moi. Non, Chief. Ils ne l'ont pas fait. Oui. Je suis venu de mon propre gré. De ton gré? Oui. De ton gré, mère. Mais de la part du parti politique. Oh. Oui. Ah. Tu sais, nous connaissons toutes ces choses. Ah. C'est bien. En passant, honorable Wilcox, est-ce que tu aimes l'art? Je veux dire, la peinture, la sculpture. Chief, mon père m'aurait étranglé pour avoir aimé de l'art. Oh. Mmh. Regarde un peu ça. Regarde. Waouh. C'est magnifique. Hmm. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui se passe dans la tête d'un peintre? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un peintre? Non, Jeff, non. De toute façon, nous en parlerons une prochaine fois. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas pour ça, honorable. En passant, merci pour cette merveilleuse boîte de cigares. Chief. Est-ce que tu sais que c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu tout au long de cette année? Oh, Chief, ce n'est rien. Absolument rien, Chief. Et, honorable Wilcox, est-ce que tu sais que
Depuis toutes ces années que je fume les cigares. Oui. Cela fait environ 30 ans maintenant. Je suis arrivé à identifier le bon cigare. Juste en recevant la boîte. Don Thomas. Tiff. Merci beaucoup. Merci. J'apprécie vraiment. Je t'en prie, Tiff. Alors, quels sont les différents projets du parti maintenant? Oh, Tiff, il y en a tellement que tu voudras terminer ton vœu. Allez, vas-y, continue. Tiff, continue. Santé. Que tout se passe bien. Oui. OK? Oui. Mon parti politique. Le plus important, que tout se passe toujours bien avec notre parti politique. Je savais que tu allais en parler. Chief. Il y a tellement de bonnes choses. Papa, demande à ce jeune homme. Il n'y a pas de jeune homme. Oui, commençons. Tout est à vous. Alors, papa. Qu'est-ce qui aurait pu causer ces manigances contre toi? Eh bien, je ne peux l'affirmer, mais ça doit être quelqu'un de nos rangs. Qu'en est-il de tes contacts du MPF? Nouveau gouvernement, nouveau personnel. Mais pas je t'avais demandé de ne pas te lancer dans ce monde politique. Mais tu t'es obstiné à suivre tes amis. Bien. Tout ça, c'est de ma faute. Et tu devras aussi répondre. Alors, dis-moi. Je pense que nous devons y mettre de l'argent. Blinks. Y mettre de l'argent. Mm-hmm. Eh bien, c'est pour ça que je te l'ai envoyé. Tu devras faire la magie. On en parlera demain matin. Merci. Je vais commencer. Tu sais faire les choses.
Oui, monsieur, oui, allez-y, ouvrez-le. Allez-y, ouvrez-le, ouvrez-le. Non, 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 Chief, nous n'avons pas besoin de vérifier son contenu. Mais je ne comprends vraiment pas l'importance de son utilité. Eh bien, cher monsieur, vous savez combien je me suis battu pour construire cette entreprise depuis le début. Vous savez ce que je fais pour les jeunes. Et l'honorable ici peut également confirmer que j'ai financé toutes les campagnes de son parti politique. Je suis au courant. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse exactement? Le gouvernement est en train de monter un dossier contre moi. Chief, nous sommes déjà au courant. Mais quelle est la raison? S'il vous plaît, monsieur. Ne faites pas comme si vous n'êtes pas au courant des trafics de drogue et de tout le trafic illicite que mes hommes ont fait pour vous. Et ne pensez même pas que si je tombe, eh bien, je n'hésiterai pas une seconde à vous faire tomber avec moi. Donc tu voudrais qu'on nettoie cette merde pour toi? Vous devez absolument vous assurer qu'aucune preuve n'apparaisse en public. Le parti au pouvoir est sur cette affaire. Et ce ne sera pas facile. Je m'en fous. Je m'en fous complètement de ça. Je veux qu'on les devance. Oh. Rejoins-les. Écoute, Neddy, si je gagne ce jeu, j'aurai des congés cette semaine. Hé, hé. Il est encore beaucoup trop tôt pour jouer aux jeux vidéo. Cherche-toi plutôt quelque chose de plus important à faire. Papa, il n'y a rien à faire. Alors va là-dehors et trouve-toi un vrai travail. Arrête de traîner avec tous ces enfants gâtés de riches. Construis ta vie. Tu n'es pas un exemple. Tu dois apprendre à t'adresser à moi avec un peu de respect. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû endurer pour vous donner la vie que vous avez. Vraiment, papa? La vie que j'ai? Tu as même une idée de la vie que j'ai? Papa, tu ne sais rien me concernant. Oh, c'est ce que tu penses. Oui, peut-être je n'étais pas là pour te voir grandir. Mais au moins je ne t'ai jamais abandonné. J'ai dû me déplacer à cause de mon travail. Et tu ne peux pas m'en vouloir pour ça. Demande plutôt à ta mère. C'est plutôt elle qui a refusé de me suivre. Et où est ce travail? Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Tu ferais mieux de dire toute la vérité à ton fils. Toujours en train d'accuser les autres pour ses fautes. Ma puce, que se passe-t-il? Maman, c'est Fred et papa qui ont recommencé à se disputer. Chérie, que s'est-il passé? Va le demander à ton fils. Mais quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ce matin? Peut-être que si tu rentrais tôt, tu saurais ce qui se passe dans ta propre maison. Surveille ton langage. Maman, c'est la vérité!
195, 196, 197, Qu'est-ce que nous avons là? Le fameux Tam, le marcheur des nuits. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Je veux ce que vous voulez. Comment savez-vous ce que je veux? Faire tomber un homme comme vous. Je n'ai aucune idée de ce que vous voulez dire. Je sais que vous êtes inspecteur de police, mais... Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Ne vous inquiétez pas, il ne viendra pas. Écoutez, nous voulons la même chose. Hein? Qu'est-ce qu'on dit souvent à propos des ennemis de mes ennemis? Ouais, peu importe. Vous savez qu'il y a un dossier monté contre vous. Je propose un deal. Toutes ces poursuites ont été abandonnées. Ouais, certaines personnes malignes ont couvert l'affaire. Mais cette fois, vous ne pourrez pas éviter ce qui vous attend. Que voulez-vous dire? Vous avez fait faillite. Avez-vous aussi perdu vos oreilles? Peu importe. Nous sommes en train de mener une enquête sur les affaires de Faubra. Et vos empreintes sont sur cette affaire. Vous ne pouvez pas le nier. Encore moins en parler. Mais avec ce marché, vous pourriez alléger votre peine. Et peut-être pourriez-vous assister à l'anniversaire de votre fille. Que voulez-vous que je fasse? Témoigner contre Faubra et nous donner les preuves dont on a besoin. Voilà. Si vous changez d'avis, par ici. Tu devrais faire plus attention, Osama. Tu penses que t'es sage? Regarde là-bas. De l'autre côté. Tu comprends maintenant. On dirait que t'es toujours le loup de la nuit. Officier Simon, nous savons tout de vous. Depuis le début, y compris ce qui est arrivé à Monsieur Tam. Et croyez-moi, je sais que vous êtes loyal. Osama, écoute, je ne suis pas venu ici pour que tu me dises à quel point tu me connais. Bien, 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 bien. J'imagine que t'es venu ici pour des affaires. Alors, tu veux renouer les lignes, n'est-ce pas? Mais crois-moi, tu as toujours été un traître. Et tu le seras toujours. Il y a une personne que je voudrais que tu rencontres.
Le guépard fait maintenant la loi dans la chaîne. Le lion est blessé. Osama, pourquoi as-tu laissé un autre roi régner dans ma chaîne? La rue m'appartient et je suis venue reprendre ce qui m'appartient. La maman X. Maman S est enfin là. Maman S est de retour. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! N'y pensez même pas. Dites-moi pour qui vous travaillez et faites-le maintenant! Mais allez, flic! Écoute, je te dis rien, je suis pas une balance, comprends? Ouais, je préfère encore crever! Ah, et tu penses que je ne peux pas te tuer tout de suite? Ah! Depuis quand ça se passe comme ça? Tu es un flic, tu ne peux pas faire ça! Ah, je ne pense pas! Tu n'as jamais vu une inspectrice tirer? Hein? Allez, avancez! Les ombres, détective. Les personnes que vous devez arrêter sont Rosaro et Fred. Par là. Avance. Avance. Je vous ai dit que c'était du bon, les gars. J'avais acheté de la cam chez un mec, mais elle n'était pas aussi bonne que celle-ci. Ça, c'est du bon. Courez! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Courez. Arrêtez-vous, sinon je tire! Venez là!
babysitter. Je dois remettre un colis pour donner à quelqu'un. En fait, au propriétaire. Cet Oscar te mettra dans les problèmes. Écoute. Tout va bien, ok? Je m'en vais livrer ce colis et je reviens. Ok? Madame Tam, c'est ça? D'accord, nous allons faire un petit tour. Ne t'inquiète pas, je ne mords pas. Mais je sais être convaincante. Amenez-la. Combien ça coûte? 3000 naira, mais il devrait baisser les prix car nous allons prendre plus. Donne-nous-en deux. Alors, et maintenant, combien est-ce que ça coûte? Comment ça? Ah. Pourquoi t'es si cher? Donne-nous ça comme ça. Non. Tontinaibi! Tontinaibi! Qu'est-ce qu'il y a? La police. Police quoi? La police vient d'arrêter papa. Où est Osaro? Il... Où est-il? Appelle-le maintenant! C'est pour ça que je me méfie. Je t'assure. La marchandise est arrivée. Ils vont la décharger demain.
et la transporter après-demain. C'est déjà bon? Le livreur nous confirmera quand ce sera bon. Nous devons établir un plan. Qu'est-ce que tu en sais sur des plans? Tout ce que tu sais faire, c'est manger tes grands frais. Il nous faut un plan. Au lieu de rester assis là, ne rien faire du tout, établissons un plan. Nous devons être stratégiques. Peut-être au moment où on aurait su quoi faire. Arrête de parler comme un enfant. Et si on appelait Chief et Honorable? Comment allons-nous faire ça? Ils sont tous injoignables. Et merde! Écoutez, vous devez vite réfléchir. Ok? Généralement, quand ce type d'ordre arrive à Abuja, ces cas sont renvoyés directement à Abuja. Nous devons établir un plan avant que le transfert. Écoutez, je ne peux pas participer à ça. Vous parlez de libérer quelqu'un qui est enfermé. Vous vous imaginez dans quoi? Un film? Fred, c'est de mon père que nous sommes en train de parler, là. Et je ne le laisserai pas entre les mains de la police. Écoute, Ozaro, ce que vous dites est pratiquement impossible. Mais tu n'en sais rien. Nous devons essayer. Mais c'est du suicide. Ça pourrait ruiner ses chances de sortir propre. Je vais tenter ma chance. Écoute, Fred. J'ai besoin de toi sur ce coup. Tu m'as dit que t'avais fait un stage dans un service de police. S'il te plaît, mec, j'ai besoin de ton aide. Je suis désolé. Je ne peux pas. Fred! J'ai parlé à l'officier Simon et il a dit que papa sera transféré dans 2 jours exactement. Alors je... Et puis merde. 2 jours? Mais qu'allons-nous faire en 2 jours, Saro? Qui est-ce que nous allons appeler en 2 jours? Papa est... Maman n'est même pas en vie. Vers qui est-ce qu'on va se retourner, Saro? On ne pourra pas le sortir de prison. Mais... nous pourrons les intercepter sur le chemin de l'aéroport. Où est Osama? Malheureusement, il ne nous rejoindra pas pour ce marché. Oh. Je vois. Tu essayes de te faire passer pour le patron. Honorable, pouvons-nous aller droit au but, s'il vous plaît? Ok, comme tu insistes. Bien, bien, bien. Ce fut un plaisir de faire les affaires avec vous. Oh. Pauvre Osama. J'espère qu'il sait que tu n'es qu'un serpent venimeux. C'est ce que tu penses. Donc c'est ce que vous aussi vous pensez. J'espère que Chief Félix sait que tu es un clègue. Si tu le dis... vraiment? Chief, restez où vous êtes.
S'il te plaît, ne tire pas sur moi. Je te promets que je t'enlèverai dans la rue. Je changerai ta vie. Et tu deviendras quelqu'un de meilleur. Ne me tue pas. Je t'en supplie. L'affaire... Chios. Ah! 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 Où sont les cinq? Fils de pute! J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Ces idiots se sont enfuis. Putain de merde! Maman? Maman? Oui, ma puce, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'aide. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas ceci. Montre-moi. Ok. Ce n'est pas si difficile. Il faut juste faire de l'addition au premier exercice et ensuite la division au deuxième. Regarde bien comment ta maîtresse d'école a expliqué dans l'exercice qui se trouve plus haut. Tu verras, ma puce, ce n'est pas si difficile que ça. Allez, vas-y, concentre-toi. Tu peux le faire. Tu vois comment se passe cet exercice. Donc, c'est ce que je faisais. Hein? S'il te plaît, chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois. Donc, pendant tout ce temps, tu n'arrêtais pas de me tromper, Juliette. S'il te plaît, chérie. Ne m'appelle pas, chérie. Donc, c'est pour cette raison que tu rentrais tard, pratiquement tous les soirs. Et tu... N'y pense même pas. À qui la faute, dame? Qui est-ce qui a causé tout ceci, dis-moi? Donc tu veux renverser la situation et te faire passer pour la victime, hein? Oh mon Dieu. Vu que vous ne cessez de vous disputer, peut-être que je devais être celle qui dira la vérité. Donc tu veux dire que tu prenais de la drogue durant tout ce temps? Vu la situation, vous avez tous tort. Et vous devriez admettre tous les deux vos fautes. Ningui, quand est-ce que tu as découvert tout ça? Je t'ai vu les consommer et j'ai fait quelques recherches. Toi, maman, j'utilise souvent ton téléphone et j'ai eu à lire tes messages. Et j'ai aussi discuté avec ton petit ami, Ajuri. Hein? Hein? Tu viens de dire Ajuri? Eiji? Tu veux dire que tu entretiens des rapports avec le fils de ce trafiquant de drogue? Le fils de Fobera? Ce n'est pas ce que tu crois. Oh, calme-toi. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Juliette, tu sortais avec le fils de ce dealer de drogue, un jeune homme qui pourrait même être ton fils. Est-ce que tu n'as pas honte? Tu n'es pas le mieux placé pour me juger, d'accord? C'est pas vrai. Oh oui, c'est toi qui as abandonné ta famille à Lagos et est venu à Port-à-Corte pour vendre de la drogue. Tes partenaires t'ont dévancé. C'est Ils pas t'ont vrai. Tout pris. Et tu m'avais menti que tu avais arrêté. Je t'avais supplié de partir avec moi. Oui. Pour élever mon fils auprès d'un dealer de drogue. Et que s'est-il passé quand je suis finalement venue? Tu n'avais jamais de temps pour moi, ni pour ta famille. N'es-tu jamais demandé pourquoi ton fils te déteste autant? Parce que les gens le traitaient de fils d'un dealer. Parlant de Fred, il y a quelque chose que vous devriez savoir. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. J'ai vraiment besoin de votre aide. Si cet homme découvre qu'il est mon fils, il le tuera. Votre fils est un adulte. Il a déjà pris sa décision. Ouais, mais pas avec cette famille. C'est trop tard pour ça. Écoutez, je vous en prie. Aidez-moi à sortir mon fils de cette situation et je vous promets que je vous aiderai avec tout ce dont vous avez besoin pour condamner cet homme. Okay. Je vous en prie, merci.
dépose ça. À terre. Bon garçon. Ok, Mouté. T'as été un bon serviteur pour aider. Mais t'as perdu ta langue. Et ton honnêteté envers ta famille. C'est l'officier Simon qui va se charger de le transporter. Nous pourrons l'intercepter sur la route. Ça sera sûrement sur la route principale. De tels transferts ne sont pas faits sur des routes principales. Ils auront un second plan. Il sera transféré par un autre convoi. Que suggères-tu ? Bien. Il sera sur Moscou Avenue. Je suggère qu'on les attaque avant qu'ils ne quittent Odiari. Non. Écoute, c'est trop risqué. Ils nous prendront en embuscade. Écoutez, nous ne pouvons rien faire autour de Jarry. Osaro, tu connais bien la ville. Quelles sont tes propositions? Je pense que nous ferions mieux de passer de l'autre côté de la ville. C'est toujours risqué pour nous. Nous serons bloqués dans les embouteillages. Nous devons passer par un quartier qui a plusieurs routes. Et si... on les attaquait par Elilemo. Non, ils n'iront pas si loin. Bien, j'imagine que c'est ce qu'ils veulent. Mais je vous assure qu'ils emprunteront la route principale. Alors, on fait quoi dans ce cas? Je pense que Abadji sera mieux. C'est le premier endroit où ils iront regarder. Bien, nous devons les faire croire que nous quittons la ville. Mais en réalité, ça se passera plus tard. Ok, écoutez les gars. Nous allons diviser le cortège. Les distraire, ensuite frapper fort. Une fois terminé, nous emmènerons mon père dans un lieu bien plus sécurisé. Et après ça, nous retournerons à la base. Sommes-nous tous d'accord? Ouais. Ok, dans ce cas, Ivy, ne t'en fais pas pour moi, je saurai quoi faire. Je sais aussi quoi faire. Ok, donc, Fred. Ouais. J'ai besoin de te voir après la réunion. Pour le boss. Pour le boss. Calme-toi, mon frère. Calme-toi, Osaro. Sois fort. Tido. Comment vas-tu? Ça va? Je vais bien, quoi de neuf? Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons besoin de votre aide. Ouais, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux faire du sale. Faire du sale.
Ouais. Ouais. Le fric. Le fric. Le fric. Que du cash. Donc c'était toi, le loup. Le loup déguisé en brebis. Tu sais, j'avais déjà tout prévu. Judas a toujours été un traître. Et même Jésus le sait. Au moins, je ne t'ai pas vendu au roi. Non, tu ne l'as pas fait. Tu m'as poignardé dans le dos. Allez, Rex. Écoute, ne dis pas n'importe quoi. Le fric est encore là, on peut le partager. Bien sûr. Qu'en est-il de Roxy? Je ne la vois pas ici. Aux dernières nouvelles, vous étiez ensemble. Bougez pas, sinon je tire. Personne ne se tire jusqu'à ce que nous ayons partagé l'argent et la drogue. Oh, je croyais que la drogue avait déjà été livrée et le fric gardé pour nous. Ça a changé vu que t'as décidé de nous trahir. Qu'allons-nous faire maintenant? Ramène la drogue, on la partage et le fric. Alors chacun prendra sa route. La drogue d'abord, avant tout. Qu'il en soit ainsi. Fille de Jezebel, mais pourquoi l'as-tu butée? Pour rien. À toi de voir. Je ne partage pas. Madame J. Hé, hey, dégagez de là! Enlève ça, plus vite!
Ok, je suis de retour. Bienvenue. Oui. Comment tu vas? Comment vous allez? Merci. Ouais, franchement. Bien, 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 bien. Vous savez, ça me fait vraiment plaisir de voir des jeunes aussi intelligents. Ça veut dire qu'il y a un espoir pour le futur. Sois le bienvenu, Pa. Alors... Merci beaucoup. Quel est le plan? Bien, c'est un plan simple. Je vais d'abord remercier le parti au pouvoir. Très bien. Et mes péchés seront pardonnés. Oui. En passant, merci pour cette idée ingénieuse. Merci, patron. Je ne t'avais pas rencontré plus tôt. Merci, patron. Merci. Ce fut un plaisir. Lui, c'est mon fils, Faubera. Ton fils? Ouais. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ce trafiquant de drogue qui a fait que je vous abandonne ta mère et toi à Lagos. Nous avons bâti tout ce business ensemble. C'était censé être sa famille et ma famille qui devaient la diriger. Mais sa cupidité l'a poussé à me vendre au gouvernement. Quoi? Pour qu'il puisse avoir tout pour lui. C'est ce que tu penses, Tam? J'ai fait le mieux pour ma famille. Et je ne pouvais plus te laisser coucher avec ma femme. C'est toi qui as commencé ça le premier. Je t'ai juste rendu la monnaie de ta pièce. Oh, tu as oublié ta faute. Et à cause de ça, tu as dû la tuer de sang-froid. Quoi? As-tu tué maman? L'as-tu tué? Oui, je l'ai fait. Putain, je l'ai fait. Elle m'a trompé. Je l'ai fait. Bien, bien, bien. Monica? Faubera. Monica est morte. Je m'appelle Mama X. Tu pensais pouvoir me tuer? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer? Oh, pauvre garçon. Pauvre garçon. Tu es très naïf. Est-ce comme ça qu'on reçoit une personne qui vient de mort? J'ai fait de toi ce que tu es, Faubera. Tu penses pouvoir me tuer? Monsieur Tam, tu devrais pardonner ta femme. Fais-le, s'il te plaît. Et vous, inspectrice Vera? Oui. Voilà votre homme. Ramenez-le à Abuja. S'il vous plaît, faites-vous plaisir. N'oubliez pas ce qu'on s'est dit. Ouais, je le ferai. Merci. Merci. Officier Salmon. Ah oui, madame. Tu mérites vraiment cette promotion. Bien sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Toi, l'avocat du diable. Monsieur Faubera, je vous arrête. Vous avez le droit de garder silence. Épargne-moi cette sornette. Papa, je... Prends bien soin de la famille. Je reviendrai bientôt. Avancez. S'il vous plaît, avancez. Je n'ai pas de temps à perdre. Allez, allons-y, avancez. Prenez-lui ce bâton des mains.